Bonjour à tous, je suis Aurélien et vous êtes sur Game Dev Alliance. Après la vidéo d'introduction à Renpai qui a bien plu aux amateurs de visual novel, d'ailleurs je vous remercie pour vos retours, je vous propose de continuer sur cette lancée et apprendre à ajouter un petit peu d'interaction et de mécanique de jeu à vos histoires. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser ce qu'on appelle les variables pour créer trois types d'interactions différents. D'abord, on va voir comment dire quelque chose à un personnage, qu'il s'en souvienne et qu'il nous le rappelle plus tard dans le jeu. Ensuite, on va voir comment programmer un jeu de gestion où notre personnage aurait des points de statistiques qui pourraient lui permettre de débloquer de nouvelles actions dans sa journée. Et enfin, on va voir comment donner la possibilité au joueur d'écrire lui-même le nom de son personnage et ensuite d'afficher ce nom plus tard dans le jeu. Alors, je vous disais qu'on allait utiliser les variables, mais d'abord, je vais vous en expliquer le principe. Dans RenPy, il y a en quelque sorte deux langages qui se mélangent. Il y a le langage de RenPy, qu'on a vu dans la précédente vidéo, avec des commandes très simples pour afficher les images, les textes. Et lorsque ces commandes ne suffisent plus, on peut alors utiliser le Python, qui est un langage de programmation plus classique, que vous pouvez voir dans différentes applications et jeux. Et ça vous permet, quand vous savez un petit peu programmer, de faire à peu près tout ce que vous voulez pour personnaliser votre jeu. Et en Python, on peut donc utiliser les variables. Une variable, ça a un nom, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, et ça a une valeur qui est stockée à l'intérieur. Et il y a plusieurs types de variables pour stocker plusieurs types de valeurs différentes. Dans ce tuto, on va voir trois types de valeurs. On va d'abord voir les booléens, ça veut dire que la variable sera égale à vrai ou faux, en anglais true ou false. On verra ensuite qu'on peut stocker des entiers, vous pourriez aussi stocker des nombres décimaux, mais dans ce tuto on va voir que les entiers. Et enfin, on va voir comment créer des variables qui contiennent du texte. Mais arrêtons la théorie pour le moment et je vais vous montrer comment ça marche en pratique. Ici, vous pouvez voir que j'ai préparé le terrain en créant une petite scène toute simple avec Amélie qui nous dit bonjour et qui va nous poser une question. En fait, elle va nous demander si on aime le chocolat ou pas. Et on va se souvenir de la réponse et la réutiliser plus tard dans le jeu. On va stocker la réponse dans une variable qu'on va appeler aime le chocolat. Et donc ce sera un booléen. La variable pourra contenir soit la valeur vraie, soit la valeur faux. D'abord, on doit créer notre variable. Et pour cela, on va écrire cette ligne. On commence la ligne par un dollar pour dire que ça va être une instruction en Python. Aime le chocolat, ce sera le nom de notre variable. Et ici, je vais écrire false. En fait, en Python, pour créer la variable, on ne dit pas si c'est un booléen, ou si c'est un entier, ou si c'est un texte, mais on assigne directement une valeur, ici faux, et il va déduire de lui-même qu'on a affaire à un booléen. Si j'avais écrit, par exemple, 5, eh bien, il se dirait la variable aime le chocolat est un entier. Et donc ici, j'écris false pour dire que c'est un booléen. Maintenant, on va créer notre choix, pour savoir si on aime le chocolat ou non. Hop, on va créer un menu, ça vous connaissez maintenant. Amé va nous demander est-ce que tu aimes le chocolat? Et les deux réponses seront oh oui ou bien Burke. Non. Voilà. Et quand on fera oh oui, la variable aime le chocolat aura la valeur true, qui veut dire vrai. C'est très simple, on va suivre le même principe. On commence par le dollar pour dire que c'est une instruction en Python et on écrit aime le chocolat égale true. Je vais aussi écrire des petits textes pour accompagner ça. Et quand on répond qu'on n'aime pas le chocolat, vous voyez que je ne mets pas aime le chocolat égale false puisque la variable est déjà égale à false. Et donc on a terminé cette première séquence. Maintenant, la variable va être sauvegardée pendant toute la partie. C'est-à-dire que si le joueur sauvegarde, puis quitte, puis recharge la partie un jour, eh bien la variable aura toujours la même valeur, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, si vous faites une nouvelle partie, eh bien là, les variables sont réinitialisées, bien sûr. On peut donc réutiliser cette variable dans une nouvelle scène. Imaginons que plus tard dans le jeu, on a l'anniversaire de Marvin. Je vais faire un label pour ça, juste pour que ce soit plus propre. Et on va dire que... une chambre, dont j'ai déjà préparé l'image, va s'afficher en fondu. Je vais également afficher Amélie, comme ceci, et elle va nous dire « Joyeux anniversaire !» Alors, hop, « Joyeux anniversaire !» Tu peux ouvrir ton cadeau. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que si le joueur aime le chocolat, eh bien Amélie va nous offrir du chocolat, et si le joueur n'aime pas le chocolat, elle va offrir autre chose. Comment faire pour vérifier la valeur de la variable? Eh bien, nous devons écrire une condition. En français, ce que va faire RenPy, c'est vérifier si aime le chocolat est égal à true. Il va nous afficher un certain texte. Sinon, s'il est égal à false,
il va nous afficher un autre texte. Et bien pour écrire cela dans le langage de RenPy, c'est tout bête. On écrit if, qui veut dire si en anglais, et là on écrit aime le chocolat égal true. Et on met les deux points, comme pour les choix, vous savez. Alors, ça veut dire en français si aime le chocolat est égal à true. Seulement vous voyez, j'ai écrit deux égales à la suite. À la différence d'ici où il n'y en a qu'un seul. En fait, comme je vous le rappelle, un seul égal ça veut dire on donne une nouvelle valeur à aime le chocolat. Et quand on dit égal, ça veut dire qu'on vérifie la valeur actuelle de aime le chocolat. Ici, on veut bien vérifier que aime le chocolat soit égal à true, et non pas le rendre égal à true. Donc, on écrit deux égales. C'est la petite nuance dont il faut se rappeler. Donc si aime le chocolat est vrai, on va faire un petit texte où elle dit « Je sais que tu aimes les chocolats. Alors, je t'en ai acheté. » Maintenant, on veut dire « sinon », si « aime le chocolat » est faux. Pour dire « sinon », on retourne au même niveau que le « if » et on écrit « else » tout simplement, parce que ça veut dire « sinon » en anglais. Et là, on écrit... qu'est-ce qu'on va dire ? Je ne savais pas trop quoi t'offrir. Alors, voici un vélo. Faut suivre son imagination dans la vie, vous savez. Et là, Marvin va répondre « Comment ça ?» Un vélo. Voilà, nickel. On va vérifier ça en sauvegardant. Et maintenant, donc, on est rendu en haut du script. Ici, on va passer ce dialogue, et maintenant, la variable aime le chocolat est égale à false. Évidemment, on ne le voit pas à l'écran, c'est invisible. On va répondre « Oh oui, maintenant la variable est égale à true ». On va changer de scène, hop, on descend dans le script, on est ici. Et maintenant, elle dit « Je sais que tu aimes les chocolats, alors je t'en ai acheté ». Donc c'est nickel, c'est exactement ce qu'on voulait. Si on fait retour, au début du jeu donc, aime le chocolat est égal à false. Si on choisit non, on ne change pas la valeur de aime le chocolat, vous voyez que je n'avais rien écrit. Et donc à la scène d'après, je ne savais pas trop quoi t'offrir, alors voici un vélo. Voilà, tout simplement, vous savez utiliser un booléen maintenant. Ça peut servir quand vous avez une information binaire, vraie ou fausse, dans votre jeu. Mais bien sûr, parfois, vous pourriez vouloir retenir des informations plus complexes, comme des nombres. Et c'est ce qu'on va voir dans le prochain exemple. Cette fois-ci, on va essayer de faire un mini-jeu de gestion, où le personnage aurait des points de force, des points de fatigue, et selon les actions qu'il ferait dans la journée, ses valeurs, qui seront des chiffres donc, changeraient au fur et à mesure. Pour faire ce nouvel exemple, je vais tout supprimer, pour qu'on y voit plus clair, et donc, je vais nous remettre dans la chambre, avec seulement Marvin, et là, si on recharge le script, évidemment, il va bugger parce qu'il est perdu, il ne sait plus où on est. Donc on va fermer et relancer, c'est pas très grave. Hop, alors, je vais écrire un petit texte pour qu'il ait quelque chose à afficher pendant qu'on travaille. On va dire que Marvin dit « Quelle belle journée !» Hop, et nouvelle partie. Voilà, on est dans notre chambre. Maintenant, on va donc créer des points de force et des points de fatigue. On va créer la variable, comme tout à l'heure, avec le dollar, et on va appeler ça « point force égale 0 ». On va commencer avec des valeurs normales. En écrivant égal à 0, Python va comprendre que la variable sera un entier. Et ensuite, on va écrire point fatigue égal à 0 aussi. Vous voyez que j'ai écrit un tiret bas ici. On pourrait écrire aussi tout attaché. Par contre, le nom d'une variable ne peut pas avoir d'espace. C'est pour ça que j'aime bien séparer avec un tiret bas. L'avantage des nombres, c'est qu'on peut faire des calculs dessus. Donc on va pouvoir additionner et soustraire facilement des valeurs pour ajouter de la force ou de la fatigue. Ici, on va créer un menu, un choix, où il pourra choisir ce qu'il fait de sa journée. Donc Marvin va dire « Que faire ?» Alors, on va avoir deux choix. On va avoir « Faire du sport » et « Se reposer ». Lorsque l'on fait du sport, les points de force vont monter de 5. Donc on va écrire « Point force plus égal 5 ». Le plus égal, ça veut dire qu'on va donner une nouvelle valeur à point force. Et cette nouvelle valeur, c'est l'ancienne plus 5. Et de la même façon, on va faire monter point fatigue de 10. Et on va écrire un petit texte, histoire que le joueur ait une confirmation de ce qu'il a fait. Ça fait du bien de s'entraîner, mais je suis un peu fatigué. Voilà, comme ça, il sait à peu près ce qui s'est passé pour les stats. Et si on se repose, eh bien, ça va simplement faire baisser la fatigue.
donc point fatigue. Et là, on fait une soustraction, donc on peut faire moins égal 20. Et on va mettre un petit message, toujours pareil. Ce canapé est sacrément confortable. Voilà, vous avez vu, c'est tout simple de faire des calculs. Si vous voulez, on peut essayer, on va sauvegarder, mais il va rien se passer de spécial. C'est-à-dire que là, on va faire du sport, par exemple. Ok, on a notre dialogue, mais après, c'est la fin de notre jeu. Alors déjà, on peut facilement tester ces valeurs avec des conditions. On va faire une condition avec ces nombres. Par exemple, un if point fatigue est supérieur ou égal à 50. Ici, Marvin dira, je devrais prendre des vacances. Hop. Oh, je vais rendre tout ça un peu plus joli. Voilà, avec un espace ici, c'est plus esthétique. Vous voyez que on peut avoir des opérations comme ça. Donc on a le supérieur ou égal, on avait le égal égal, comme vous le saviez. On a le inférieur ou égal. Donc ici, s'il est très fatigué, il prend des vacances. Maintenant, on va dire, sinon, si la fatigue est inférieure à 10, il va péter le feu. Et pour écrire sinon si, on écrit elif, qui est la contraction de else if. Donc elif point fatigue inférieur à 10. Marvin, hop, je pète le feu. Et vous voyez la distinction entre inférieur ou égal et inférieur. Ici, si on a inférieur ou égal, ça va être 50 ou moins. Sauf que là, si on a inférieur à 10, ça va être 9 ou moins pour entrer dans la condition. Et enfin, on va dire que sinon, donc s'il n'a rempli aucune des deux conditions ci-dessus, il va simplement dire que tout est normal. Hop. Je vais sauvegarder et on va faire l'essai dans notre système. Quelle belle journée. Donc si on fait du sport, notre fatigue sera égale à 10. Ce qui veut dire que tout sera normal. Pourquoi ? Parce que il ne rentre pas dans cette condition. Il ne rentre pas dans cette condition non plus. Donc il finit dans tout est normal. Par contre, si on fait retour et qu'à la place on se repose, notre fatigue vaudra moins 20. Et donc là, on va rentrer dans la condition « je pète le feu ». Puisque moins 20, c'est inférieur à 10, évidemment. Tout ça, c'est déjà pas mal, mais c'est assez classique. On va utiliser ces variables d'une façon un peu plus intéressante, c'est-à-dire que selon les points de stats que l'on aura, les choix de dialogue disponibles seront différents. Par exemple, si Marvin est très fatigué, eh bien il ne pourra pas faire du sport. Pour écrire cela, c'est très simple. Ici, en fait, à côté de votre choix de dialogue, vous écrivez if, comme une condition, point fatigue inférieur à 30. Alors, je vais sauvegarder pour qu'on change tout ça. Évidemment, lorsqu'on commence le jeu, donc je retourne là, lorsqu'on commence le jeu, les points de fatigue sont égaux à 0, donc faire du sport est disponible. Mais imaginons qu'il ait déjà fait beaucoup de sport par le passé. Alors ce qu'on va faire très simplement pour vérifier si tout marche, c'est que dès le début du jeu, notre fatigue vaudra 50. Comme ça, c'est réglé. Je sauvegarde et on va retourner au début du jeu. Et là, vous voyez que la seule option disponible, c'est se reposer. Vous pouvez utiliser cette idée dans plein de cas différents. Par exemple, donc, vous pouvez faire un jeu de gestion, mais vous pourriez aussi faire un système de réputation. Par exemple, si quelqu'un vous aime beaucoup, vous aurez le choix de l'emmener à un date, mais si elle ne vous aime pas du tout, eh bien vous ne pourrez pas beaucoup lui parler. Ça va donner l'impression au joueur qu'il a vraiment un impact sur le personnage et sur le monde qui l'entoure. Maintenant, on va voir un cas où les variables contiennent du texte. Dans cet exemple, on pourra parler à un vendeur et lui acheter soit du chocolat, soit du reblochon, et en fait, la variable va directement contenir le texte chocolat ou le texte reblochon. Vous allez voir, ça peut donner des résultats intéressants. Je vais effacer cette scène et créer une scène station. J'avais gardé une image pour un extérieur de ville avec un vendeur qui dit « Qu'est-ce qu'il vous faut ?» Hop là. Je vais sauvegarder. Là, il va un petit peu paniquer normalement. Voilà, on va redémarrer le jeu. Et voilà, on a notre petite scène. Alors, je vais créer un menu. Alors, je m'étais trompé. Ce que je voulais faire, c'est ceci. Hop. Et là, on va pouvoir acheter du chocolat. Ou bien acheter du reblochon. Et donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura une variable cadeau. Hop, comme ceci. Qui vaudra soit le texte chocolat,
ou alors sa valeur sera le texte Reblochon. Et plus tard dans le jeu, ce sera l'anniversaire d'Amélie, qui, comme vous le savez, aime beaucoup le chocolat, donc il faudra lui offrir le bon cadeau. Je vais faire scene chambre, avec un petit fondu, et show Amélie, avec le fondu aussi. Voilà, c'est pas trop mal. Et maintenant, Marvin va lui dire, tu peux ouvrir ton cadeau. On fait une petite condition, comme la dernière fois, donc if cadeau égal égal, pour vérifier la valeur, et non pas lui donner une nouvelle valeur. If cadeau égale chocolat. On peut dire que Amélie trouve ça merveilleux. Oh, c'est merveilleux! Et par contre, si on lui avait offert du reblochon, eh bien elle va trouver ça immonde. Alors ici, il y a deux façons de faire. On pourrait écrire un sinon, comme ceci. Et là, Amélie dit « Oh, c'est immonde !» Au passage, je n'ai rien contre les gens qui aiment le reblochon. Ici, ça marcherait parce que de toute façon, on n'a que deux cas de figure possibles. C'était un exemple très simple pour vous montrer qu'on peut utiliser du texte. Mais on pourrait aussi écrire, si on voulait, if cadeau égale reblochon. Hop, avec les petits points comme ça. On pourrait même écrire elif cadeau égale reblochon. Tous ces trois cas, dans notre exemple, fonctionneraient parfaitement. Donc vous faites comme vous voulez. On va faire l'essai. Je vais sauvegarder. Maintenant, on a affaire à ce menu et on va acheter du chocolat. Et là, Amélie trouve ça merveilleux. Et si on fait retour et qu'on achète du reblochon, elle trouve ça immonde. Malheureusement, parce que le reblochon, c'est assez bon. Bon, vous vous dites peut-être que dans cet exemple, utiliser une variable avec du texte, c'était pas vraiment nécessaire. On aurait pu utiliser un simple booléen, vrai ou faux, vu qu'il n'y a que deux cas de figure possibles. Et vous avez tout à fait raison. Maintenant, je vais vous montrer un cas de figure où le texte est intéressant. C'est lorsqu'il s'agit de personnaliser le nom du héros. Je vais nous refaire une scène toute propre et nous allons voir ça. On va retourner dans la station et là, le jeu va nous afficher comment vous appelez-vous. Hop. Alors il va paniquer un petit peu. Ah non, c'est bon, ça a marché, super. On va créer une variable qui va contenir le nom du héros. Et donc on va intelligemment la nommer nom du héros. Maintenant, on ne peut pas rentrer un texte directement, puisque il faut que ce soit le joueur qui écrive le texte. Il y a une fonction de RenPy pour ça, qui s'appelle RenPy.input. Et dans la fonction input, on peut renseigner un texte qui va permettre de guider le joueur sur ce qu'il doit faire. On peut dire « entrer un nom ». Je vais vous montrer ce que ça fait pour que vous visualisiez un petit peu. Ici, on a « entrer un nom » et je peux écrire, si je veux, « Jean-Guy ». Puisque Jean-Guy est un prénom tout à fait sympathique. Et bon, si je valide, ça fait mon menu parce qu'il n'y a pas la suite. Et dans la suite, on va écrire le prénom dans un message. Par exemple, une confirmation. Vous vous appelez. Et là, je peux écrire entre crochets le nom de ma variable. Et ça va en afficher son contenu directement dans mon message. Ici, si je réécris Jean-Guy, je m'appelle bien Jean-Guy. Et ça, c'est quand même merveilleux. La prochaine étape, c'est de pouvoir afficher le prénom du héros en haut des messages, vous savez, en couleur. On va définir un nouveau personnage. Define héros égale character. Et là où on doit rentrer son nom, eh ben, tout pareil, on peut écrire les crochets. Nom du héros. Et pour la couleur, on va pas s'embêter. On va prendre la même que Marvin. Voilà. Et on va écrire un petit message. Héros. C'est bien moi. Je vais sauvegarder. Et là, à la suite, voilà, on a Jean-Guy qui parle. Si vous découvrez la programmation, vous devez vous dire que c'est assez excitant. Et en effet, c'est un petit peu de la magie. Cela dit, il y a une petite faille dans notre système. Nous pourrions par exemple entrer des espaces ici. On peut écrire des espaces après et des espaces avant. Et si on valide maintenant, eh bien on a des espaces dans notre message. Et c'est pas vraiment très beau. Et il y a une fonction pour contrer ce problème, c'est strip. Alors, on va donner une nouvelle valeur à la variable nom du héros. On écrit nom du héros.strip, ce qui veut dire qu'on prend la valeur ancienne de nom du héros, donc notre Jean-Guy avec les espaces, et on applique la fonction strip
qui va enlever les espaces avant et après le texte. Je vais faire retour. Voilà, donc là j'entre mon nom avec les espaces. Sauf que après, il n'y a plus les espaces, ils ont été enlevés. Ça marche très bien. Enfin, il y a une dernière faille dans notre système, c'est qu'on pourrait entrer un nom vide, rien écrire du tout. Et là, bah on s'appelle que dalle, c'est pas terrible. Il faudrait qu'on donne un prénom prédéfini à notre personnage. On va écrire une nouvelle condition, if not nom du héros. Ce qui veut dire en fait, si nom du héros n'a pas de valeur. Et là, bah on va donner une valeur nous-mêmes. Nom du héros égale Jean-Yves. Ainsi, si je sauvegarde et que ici, bah, je n'entre pas de nom, je m'appelle bien Jean-Yves. Par contre, si j'entre un prénom, Hector, je m'appelle bien Hector. Voilà, vous avez là un exemple très pratique de comment utiliser les variables textuelles, puisque je suppose que dans beaucoup de VN, on a envie de laisser aux joueurs le choix des noms des personnages. Et ça conclut ce tutoriel. Si j'ai bien fait mon travail, vous devriez avoir une bonne vision d'ensemble de ce qu'on peut faire avec les variables, même si bien sûr, elles ont un potentiel encore plus grand lorsqu'on s'y connaît bien en programmation. Mais avant que je m'égare, je me permets de vous rappeler que ce week-end, on organise une game jam où le but est de créer des fictions interactives, et donc des visual novels. Vous pouvez utiliser RenPy ou le moteur de votre choix, et utiliser le thème pour vous inspirer et créer votre petite histoire. Si vous regardez cette vidéo quelques heures après sa publication, la jam devrait avoir déjà commencé. Dans tous les cas, vous pouvez passer sur le Discord pour poser toutes vos questions sur RenPy, et aussi montrer votre jeu aux autres participants. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto sur RenPy. Ciao.